Prêt pour le souterrain infernal. On pourrait se tenter comme ça, tiens. Allez. Avec la musique et tout. Musique et graphisme d'époque. On connaît bien, ça devrait passer. Il ressemble tellement à rien du tout le personnage, comme ça, on dirait pas une souris, quoi. Il a des yeux énormes. Le volume sonore est plus bas en mode rétro, c'est marrant. Mais, heureusement qu'on s'en fout. Bien joué, mais oui, voilà. C'est pas très grave. Ah, j'étais persuadé que je pourrais l'avoir, mais non. Hein. C'est impressionnant. Donc là, c'est en haut. Allez, une bouboule de fire supplémentaire. Un petit peu relou ces chauves-souris quand même. Hein. Un tout petit peu. Là, c'est en bas. Oh oui, ça c'est bien joué. Très, très... Très bien joué ça. Là c'est où? Et merde. Je sais plus, c'est en bas je crois. Hein. Ouais c'est en bas. Ok, donc là. On remet l'armure du vilain dragonou parce qu'on ne sait jamais. Le reste on est bon. Ok. Et bon. Les mobs les plus relous du jeu. Allez, là on est pas mal. Oh. Bien sûr. Et là. Ah mais la vache, t'avais pas d'indication à l'époque? Non. Attends, à l'époque, t'avais que dalle? C'est pas vrai. Regarde-moi ça, à l'époque, y'avait rien. Attends, tu devais... Mais attends, c'est pas possible, quoi. Genre, tu devais aller là, tu devais deviner que là, que ça, c'était une porte. Oh. Mais what? Ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Attends, mais s'il y a ce genre de secret aussi, franchement, putain, mais ça veut dire que les endroits où tu vois des recoins comme ça, tu vois, tu dois avoir le réflexe toujours d'appuyer sur O, parce que tu peux y avoir des portes. C'est fou. Eh. Là, on avait trouvé, à cause du symbole, à cause du bouclier, de l'icône. Donc, du coup, je m'étais dit, ah, tiens, mais là... Jamais j'aurais eu le réflexe de tester pour voir s'il n'y avait pas une porte cachée. Ouais. Parfait. Parfait. Ça, c'était magnifique. Y a rien à dire. Ok, lui, on va se le faire. Nickel. On est bon. Là, c'est la tornade. Parfait.
Là, on est bon. Surtout pas faire le gros marabout. Maintenant, ce serait assez catastrophique. Comment gaspiller deux flèches? Boule de feu, je m'en fous. Non, attendez, c'est en haut? Non, c'est en bas que je dois aller, là. Non, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas. Calme-toi, c'est en bas. C'est en bas. Yes. Parfait, 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 parfait. Maintenant j'appuie un petit peu hein. T'es. Je me dis que je me dis que là oui, il pourrait y avoir un secret du coup hein. En même temps peut-être que du coup s'ils ont mis une indication vous voyez dans le remake, peut-être que là ils auraient aussi mis une indication. Mais là tu te dis du coup quel est l'intérêt de venir là, à part d'être coincé, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez quoi, j'ai envie d'avoir le cornet. J'ai envie d'avoir le cornet. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quelle connerie. C'est pas très grave, parce que de toute façon, je peux me soigner. Donc. C'est pour ça que je me... Voyons. C'est quand même un petit peu abusé. Hein. De toute façon, je fais haut partout, donc. Non, il n'y a que dalle. Hein. Non, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Non, non, il n'y a rien. Vraiment abusé. J'ai perdu que la moitié d'un cœur, c'est bon, je peux continuer. Là. Ok. Là par contre, mais là, il y a forcément un truc. Là, j'avais déjà tout tenté. Est-ce que c'est peut-être en fait juste une porte qui est à côté qu'il faut activer, hein, s'il faut ouais. Je vais me gonfler longtemps. J'essaie de tuer. Tant pis. Qu'est-ce que je fais? Le boomerang. Ouais, mais non, mais le boomerang avec lui, vu qu'il va me tirer dessus, je risque de pas pouvoir le récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Faire la boule de feu. J'ai eu là? Putain. Yes. Ok. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose ici. Est-ce que tu aurais pas une porte là, par exemple? Pas de porte ici? Il n'y a pas d'indication, là. Non, peut-être là, non. Est-ce qu'il pourrait y avoir une porte là? Est-ce que je veux dire, en fait, une porte qui te... Mais qui te TP en bas? Parce que c'est trop bizarre qu'il y ait cet endroit en bas, je trouve. C'est... Ça fait un truc vide. C'est bizarre. Et pourtant, non, hein. Il n'y a pas non plus de petite entrée, c'est vraiment très bizarre quand même. Non, j'ai beau appuyer en haut partout, il ne se passe strictement rien. Donc j'ai bien peur que non. Et merde, il m'a touché quand même, c'est pas vrai. Pas mal. Voilà, c'est bien. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Putain, c'est pas possible. Et ça drop pas de cœur. Est-ce que j'ai les bons trucs? Ah mais non, j'ai la mère de dragon, c'est pour ça. Ah oh, putain, je mets même pas la bonne armure pour les cœurs. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je crois que c'est là que je dois aller en hauteur. Non, c'est les cœurs qu'il faut. Non, des cœurs.
Non, des cœurs. Non, des cœurs. Ah, c'est là. Je vais revenir, il faut... Je vais quand même essayer d'être full vie, c'est important, là. Je ne peux pas prendre de risques. Est-ce qu'ils peuvent dropper des cœurs au moins? C'est une bonne question, ça. Mais... Oh, ils peuvent pas dropper de cœur s'il faut. Je retente un coup. Ils peuvent dropper des sacs. Ah si si, ils peuvent. Ah ah ah. Je vais aller là-bas. Oh, je suis presque full là. Ok, on y va comme ça. Bon. Par contre, je vais reprendre ça. Donc, on va faire exactement la même, c'est-à-dire que... Alors, attendez. Donc, déjà, je prends le meilleur truc, là. Donc, je prends armure de cristal. Ok. Je prends... C'est épée de cristal, hein, la meilleure. Ouais. Épée de cristal et bouclier en cristal. Voilà. Ok. Et je prends les boomerangs. Très bien, let's go. Je vais attendre qu'il passe de l'autre côté. Et on est parti. Oh, c'est magnifique. Bon, en fait, je me dis que... Putain, mais lui, en fait, je peux le farmer en bas. Avec ça. Eh, mais... Tu peux le farmer easy, en fait. Sérieux. Que je dis ça, mais en fait, je peux le farmer comme ça. Si je fais ça, je peux revenir. Ah non, je peux pas revenir. Ah merde. Ah oui, je peux pas revenir. Très bien. Bon, j'ai 9 boomerangs, on va voir. Toujours 9. Voilà. Nickel. Prends pas de risque, hein. Je vais aller très lentement, j'ai pas le choix. Faut 3 coups en boomerang. Non, 2 coups, bah je sais pas, c'est bizarre. 2 ou 3 coups. Toujours 9. Ah la vache, non mais c'est ça, hein. C'est illimité si on le rattrape, c'est sûr que c'est ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais... Putain, mais pourquoi je fais ça, sans déconner? Mais qui est con? Attendez, je vais reprendre. Parce que là, il faut que ça droppe des cœurs, là. Oh putain, mais c'est pas vrai. C'est pas possible! Mais c'est pas possible! C'est pas vrai! Il a pas respawn. J'ai été con, sans déconner. Parfait. Parfait. Ok. Nickel. Parfait, si je peux remettre tous mes cœurs, ce sera magnifique. Je suis un peu le petit joueur, mais bon, là... Trop risqué, hein. Ok.
Je vais pas trop avancer pour pas en aggro plusieurs à la fois, parce que tout à l'heure, si on est mort, c'est clairement à cause de ça. Grosse connerie. Ok. Donc. Est-ce qu'on peut revenir, là? Non, je peux pas revenir. J'ai toujours 9 boomerangs. Ah, mais c'est incroyable comment c'est puissant, ça. C'est fou. Nickel, je vais revenir au niveau des cœurs, c'est magnifique. Attendre qu'ils viennent, on sait jamais ce qu'il y a après. Allez, viens. On se met comme ça. En fait, jouer comme ça, ça me fait peur. Ça fait peur de jouer comme ça parce que tu sais pas trop ce qui peut arriver. Tu sais pas trop ce qui peut sortir des murs, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait très étrange, là. Je me demande s'il n'y aurait pas des secrets... Vous voyez, derrière, là. À mon avis, il y a des portes secrètes, tiens. Eh, je le sens bien. Je le sens bien qu'il y ait des portes secrètes derrière. Ça, c'est plus que possible. On va remettre la musique. Ok, parfait, j'ai eu un peu peur, mais c'est bon. Voilà, là on est bon. Est-ce qu'il est mort, là? Je pense qu'il est mort. Mais, pourquoi je fais ça? C'est dingue! Je me recule et du coup il me touche. Vraiment, mais n'importe quoi. Mais... C'est pas vrai. Mais je rêve. Putain. Je suis sûr qu'il y a des secrets. Je suis sûr que derrière une porte, il y a un secret à mon avis. Attendez, je vais toutes les faire. Ce qui a été bien foutu, c'est que ça ne respawn pas, quoi. Ça, c'est quand même vachement bien. Hein. Par contre, là, j'ai perdu masqueur, j'ai fait n'importe nawak. Ah, j'ai fait n'importe quoi, là. Un peu de cœur. Ok, c'est là où il y a ça. Alors, attendez. Je suis sûr qu'il y a un secret. C'est certain. C'est typiquement le genre de connerie où te mettre des secrets. Hein. Attention. On n'avance pas trop vite là. Est-ce que je reprends mon armure de cristal? Il faut quand même que ça drop des cœurs, donc... Qu'est-ce que je veux dire? Ah, l'enfoiré, il a rien drop. Ah, enfoiré. Tout faire. Hein.
En même temps, c'est pas parfaitement aligné. Donc du coup, je... Vous voyez? Là, la porte, elle est là, alors que là, elle est un petit peu décalée, donc... Toi, t'as tellement l'impression que tu peux les ouvrir, ces machins. C'est dingue. Pour une fois, je crois qu'il y a un secret, évidemment, il n'y en a pas. C'est pour moi, hein. C'est pour moi, ça fait plaisir. Il n'y en a pas, hein. Parfait. Nickel. Voilà, si on va doucement, on en aggro quand même par un, donc c'est bon. Ok. Je vais faire cela, j'ai pas fait. Bordel. Il y a que dalle, hein. Incroyable. Hein. Nickel, ça c'est bon. Et putain. Ok, parfait. Je me suis fait toucher comme un con. Tant pis. Ok. Je refais mes petits trucs. Y'a que dalle en fait. Je suis le seul bonhomme à avoir des secrets là où il n'y en a pas de toute façon. C'est toujours pareil. De merde. Oh putain, oh putain. Oh putain. Boule de feu. Oh. Oh, je fais zéro dégâts. Je fais zéro dégâts avec ça. Boomerang. Ah d'accord, je touche pas. Cool. Ça fait plaisir. What? Mais comment? Oh putain de merde. Attends. Bon, l'éclair. Pourquoi je fais dégâts avec ça? Ok, je fais zéro dégâts. Les flèches, ça servira à rien. Tornade. À mon avis, ça sert à que dalle. Touche là. Faut que j'aille derrière lui, ou quoi? Mais. Attendez. Voilà, là c'est safe. Non. Je fais zéro dégâts, les gars. Je fais zéro dégâts. Bon, non, non, c'est l'épée. Mais je le touche pas là? Attends, je le touche pas. C'est quoi ce bordel? Attendez. Déjà, on va changer d'armure. On peut lui faire ça avant. Mais what? C'est quoi ce bordel? Mais...
touche pas. Attendez, j'arrive pas à le toucher. Mais putain de bouton de merde! Non mais je rêve. Non mais c'est... Franchement, il faut avoir le pas dans les mains pour comprendre le calvaire du machin. Hein. Bon, tout ça, ça fait zéro dégâts, ça sert à que dalle. Le truc, il est à 93%. Ok, loul. Mais j'arrive pas à le toucher, quoi. Je vais aller derrière lui, si je peux. Je peux pas aller derrière lui. Impossible d'aller derrière lui. C'est dans les pattes que je dois le toucher ou quoi? Mais non. Non, c'est la tête. Mais non. Mais c'est là, c'est quand il fait ça qu'on a le toucher, on le voit bien. Il y a une ouverture. Mais non. Bon. Attendez, il faut que je lui renvoie ses boules ou quoi? Je touche pas. Je comprends pas là. Je comprends, j'arrive pas à le toucher les gars. Il faut que je lui renvoie les boules. Faut que je lui renvoie les boules. Non. C'est quoi ce bordel? Mais non. Attendez, c'est quoi ces conneries là? Faut que j'utilise une autre épée peut-être. Ah, peut-être celle-là! Ah, peut-être celle-là! Ce serait vraiment con. Je vais essayer. Vu que c'est l'épée Muramasa, forgée au 16e siècle, et qu'on est dans un temple chinois, c'est peut-être ça le délire? Non, pas du tout. Je comprends pas. Je comprends pas. Transforme les étoiles en cailloux. C'est les étoiles ce qu'il envoie? On va voir. Enfin, j'ai raté. À le toucher. Je comprends pas. Quand est-ce que je dois attaquer? Je vais attendre. Mais non, ça peut être que là pourtant. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Attendez. Est-ce que c'est une armure? Non, ça n'a rien à voir avec l'armure de toute façon. Ça c'est résistant à la lave. Ça sur ça c'est pour avoir plus de cœur. Donc c'est pas l'armure. Bouclier. Est-ce que j'ai un bouclier spécial? Non. Mais non, c'est pas bouclier. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Transforme les étoiles en cailloux. Mais non, mais ça sert à rien là. Je comprends pas. Putain. Je touche même pas avec le boomerang. Ah si. Mais putain, mais pourquoi ça me touchait pas avant? Mais ça n'a pas de sens. En fait, faut être hyper proche. J'y fais rien du tout en dégâts. Mais comment tu pars ces coups, putain? Mais non, mais c'est pas possible. Et là, je touche même pas. Ah là, il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Les flèches. Les flèches.
peu en hauteur, voyons. J'essaie de le faire sur ces boules, mais bon. C'est complètement ridicule, complètement con. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, là. En fait, c'est comme ça que je dois l'esquiver. Je dois m'approcher de lui un petit peu et ensuite je saute comme ça. J'arrive à l'esquiver, mais j'arrive pas à le toucher, quoi. Ouais, ça y est, j'arrive à l'esquiver maintenant. J'arrive à l'esquiver. Ouais. J'arrive à l'esquiver. Bon. C'est déjà bien. Mais bon, il y a un souci. Il y a un souci. Je ne comprends pas. C'est encore une connerie que j'ai pas vue à tous les coups. Voyons. Oh mon dieu! Oh putain la tronche! Je pense qu'il y a un truc à faire avec les boules qui m'envoient. Je vois pas si ça peut être d'autres. J'aurais tenté de l'envoyer, mais... Ça a tellement pas l'air d'être ça. Ça fait rien. Merde! Je vais mourir. Ah, il faut peut-être le reculer. Peut-être le reculer. Mais... Ce serait trop étonnant qu'on puisse que faire ça avec des attaques secondaires. Peut-être le faire reculer. Parce qu'à chaque fois qu'on lui met un coup, il recule quand même pas mal. Donc peut-être qu'il faut le faire reculer complètement et qu'au bout, il y a un truc. C'est une mécanique de boss, ça, ça peut être ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à le toucher avec mon épée, quoi. C'est ça, je l'ai pas touché une seule fois avec mon épée. Je lui faisais zéro dégâts. Avec les attaques secondaires. Là, je m'interroge là sur la stratégie adoptée pour ce boss. Là, je ne comprends pas. S'il fallait utiliser une épée spécifique. Je me suis dit ça parce que vous voyez, épée forgée au 16e siècle, tout ça, épée Muramasa, donc c'est une épée Jap, tout ça, donc le folklore japonais, machin chose. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être uniquement avec ça. Non, ça marchait pas non plus. Je comprends pas. Merde. Putain, je vois pas. Je vois pas. Tous les boss, on pouvait les toucher à la tête. Là, ça marchait, mais pas avec mes armes. Pourquoi ça ne marchait pas? J'étais bien sur lui, j'étais bien sur sa tête. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est, la ta technique? J'ai pas envie d'aller voir sur Internet. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à farmer pour aller choper des... acheter les fioles. Il suffit juste d'y aller, vu qu'on a assez de pognon. Alors par contre, ah oui, par contre, le problème, c'est que pour les items secondaires, faut revenir encore en Égypte. Encore revenir au Sphinx. Oh putain, on y passe 10 minutes à chaque fois là-dedans. Pour aller choper les coffres. Putain, je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire, en fait. Donc là, c'est un gros problème, là, les gars. Je comprends pas la technique. À part le pousser. Mais même ça, ça m'étonne. En fait, ça m'étonne qu'il nous oblige à utiliser des armes secondaires, vous voyez. Parce que pour le pousser, c'est obligatoirement des armes secondaires, du coup. Et ce serait très étonnant. Ce serait très étonnant que ce soit ça. Non, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Tout simplement. Faut pas chercher ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas pigé une fois de plus. Ça va être gros, comme le gros nez au milieu du gros visage, et moi je ne le vois pas.
moi je le vois pas. Je suis consterné, monsieur Bond. Va falloir que j'aille voir sur internet. Quelle honte. Écoutez, on en a 35 minutes. Ce que je vais faire. On va rechoper les trois fioles. Au moins pour le coup, on peut dire que c'est une vraie épopée. Hein. Là, vraiment. Mais ce qu'on va faire, on va aller choper les trois fioles. On va faire ça. On va aller choper les trois fioles. On va également du coup aller prendre toutes, une fois de plus, les armes secondaires en Égypte. Et une fois qu'on aura fait ça, j'arrêterai la vidéo. J'irai me renseigner sur internet. Et puis voilà, on continuera. Parce que là, je comprends pas. J'irai voir comment tu se bosses exactement. Quelque chose m'échappe, c'est certain. Je ne vois pas ce que c'est. Donc, on va reprendre ceci pour les cœurs et ceci pour le pognon. Putain, c'est fou quand même. Incroyable, buter comme ça. Je suis sûr que c'est une connerie. C'est toujours pareil, c'est une connerie. Une connerie, un truc que j'ai pas vu. Ouais. Je vois pas ce que c'est. On passe en mode full rétro là. Full 8 bits. Nous sommes sur Master System. J'aurais pu prendre l'homme poisson, mais c'est pas grave. Ah, enfoiré. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je... Allez. Que je les tue tous. Pas vraiment sûr. Hein. Un petit peu deg. Hein. Je suis un petit peu deg parce que même pour les Castlevania, les Ghouls and Ghosts et tout ça, sauf exception, ce qui a pu arriver, hein, c'est arrivé une ou deux fois, hein, je sais plus pourquoi, mais c'est arrivé une ou deux fois que j'aille voir une soluce parce que je comprenais pas un truc. Mais normalement, avec de la persévérance, j'y arrivais, mais là, c'est-à-dire que même si on recommence, on l'a mis seulement à 88, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, donc il y a un moment, il y a un gros souci. Et malheureusement, je ne vois pas où est le souci. Et du coup, ça, c'est un petit problème. Oh là 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 là, mais laisse-moi passer, mon Dieu! Ah, les Lakitu, ils sont en mode thug. Avec leurs lunettes de soleil. Les Lakitu Thug. Ouais, donc on va faire ça. Hein. On va faire ça. Du coup, vous pouvez quitter la vidéo. Loul. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais. Attendez, pourquoi y'a rien eu là? Attends, pourquoi y'a rien eu? Ah, parce que je suis pas mort? Mais si je suis mort! Bah... Bah, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah alors? Il drop plus? Attendez, pourquoi il drop plus? Pourquoi il drop plus? Mais. What the hell? Mais pourtant il est. Mais attendez, je comprends pas bien là. Pourquoi ça drop pas là? Putain. Essayons de comprendre. Décidément.
Mais what? J'y comprends que dalle. Mais j'y comprends rien à ce jeu. Attendez. Je suis mort. Je suis mort. Tout aurait dû repop. Ça repopait une fois, ça n'a pas de sens, ça repop une fois et pas une autre. Est-ce que c'est quand on se transforme que les coffres repop ici? Je comprends que dalle à ce jeu, décidément. Ce jeu est un mystère. Les coffres n'ont pas repop. Ça alors. J'aimerais bien comprendre pourquoi là. Non, les coffres n'ont pas repop. Alors là, les gars, encore un truc vraiment mystérieux. Ça n'a pas repop. Est-ce que ce serait quand on éteint la console des fois? C'est peut-être quand on éteint la console. C'est peut-être ça. C'est où le... En l'occurrence, là, c'est uniquement le jeu, évidemment, hein, quand on éteint le jeu. Et à l'époque, du coup, la console. C'est peut-être qu'il faut éteindre le jeu, partir. Je sais pas, c'est très étrange, quand même. Écoutez, pour avoir le cœur net... Et quoi, on va le faire ensemble du coup. Donc ce que je vais faire, je suis à 1980. De toute façon, on avait bien vu que ça sauvegardait. On fait retour à l'écran titre. On revient ici. Donc on est reparti. Voilà, vous voyez, 1980, ça a bien sauvegardé. D'accord, ils nous refoutent là, très bien. Bon, ce serait complètement illogique que ce soit via une transformation. On va aller voir comme ça. Il y a des trucs bizarroïdes quand même. Ou alors ce serait un timer du coup. Au bout d'un certain temps, les coffres repopent, mais ça, j'y crois pas trop. On va voir ça. Je vais me manier. Oh putain. Mais putain de mouvement de recul, mon dieu! Oh putain, faut rester calme. Tu vas aller vite, t'y arrives pas. Nous verrons bien. Écoutez, il faut essayer, hein. Gang bang. Pas mal. Ah là là là, mon dieu, ces collisions de l'enfer. Là, ça va être folklorique encore pour réussir à passer ça. Allez, vas-y, c'est bon. Bon, écoutez, on va l'avoir encore net. Hein. Est-ce qu'il fallait quitter le jeu pour que ça repop? Bonne question. Alors. Oh putain, c'était ça. Oh là 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 là, pourquoi ils ont fait ça? Alors, autant à l'époque, je peux comprendre, mais là... Putain, ils ont fait ça, même dans le remake, quoi, la vache. Fallait bel et bien sortir du jeu. Bon, bah écoutez, pour le coup, j'ai plutôt bien intuitané. Voilà, on peut dire que j'ai plutôt bien intuitané. En même temps, je voyais pas d'autres explications, hein. Il y a forcément une explication logique, on est d'accord. Il faut éteindre le jeu et revenir. Putain.
Ah! Petit peu mal branlé. Enfin, en tout cas pour le remake. Parce que bon, juste le faire après une mort, c'est pareil, hein, finalement. Donc bon. Ce qui veut dire que si on veut farmer ça. Attends, mais ça veut dire que. Putain, mais attendez, attendez. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de mourir. Ça veut dire que je peux avoir. Si je prends tout, que je pars, que je quitte le jeu, que je reviens, mais tout va ripop encore. Ça veut dire que je peux avoir 99 boules de feu, tornades, flèches, boomerang et éclairs. Attendez, avec 99 éclairs, je le tue. Avec 99 éclairs, je le tue, hein. Eh, ben forcément. Spam d'éclairs. J'imagine qu'on peut aller jusqu'à 99, peut-être même au-delà de 99, je sais pas. Hein. Mais, eh, écoutez. Mais bon, ça m'étonnerait, voyez, ça m'étonnerait que la technique officielle ce soit d'utiliser 99 boules de feu ou 99 éclairs. Hein. Ça m'étonnerait. Bon, on va commencer par le dernier parce que je sais plus trop où j'en suis. Ah mais la vache, ça vaut vraiment le coup parce que t'as aussi une fiole. Ah mais la vache, c'est presque mieux en fait de refaire ça. Sérieux, c'est presque mieux de refaire ça. Hein. Plutôt que de revenir de l'autre côté, hein. C'est incroyable. Ah ouais. C'est presque mieux. Donc, on a eu le dernier. C'est là que sont les éclairs. Et du coup, vous voyez, il y a un truc qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut dépasser les trois fioles en les prenant ici, dans le coffre? J'ai envie de tester. Ah, j'ai envie qu'on teste. Tiens, ça m'intrigue ça. 99 fioles. Allez, 99 éclairs, 99 élixirs. Le mec totalement invincible. Donc. Bon, par contre, du coup, les boomerangs, c'est pas forcément utile. Donc, les plus intéressants, c'est les deux derniers, hein, clairement. Ça, on s'en fout en fait. C'est ça. Donc en fait, le troisième et le quatrième, on s'en fout un petit peu. Surtout le quatrième, en partant de la droite. Ça va être l'épopée de Wonder Boy la plus longue au monde. J'espère que vous êtes motivés. Hein. Donc on était où ici hein. Ça aussi, on s'en fout en fait. Et là, il en reste 3, c'est ça? 3, ouais. Mais je crois qu'on a tout eu, non? Ouais, il a juste manqué du pognon. Ouais. Il a juste manqué du pognon, je pense. On va faire le troisième. Celui-là, on avait déjà fait. À chaque fois, il me touche. Hein, c'est la folie, ça. Est-ce qu'on a fait le second? Splendide, bravo. Et le premier, on l'a fait. Ouais. Bravo. Et le second. Putain, mais lui, à chaque fois, il drop entre 40 et 60. Hein. C'est énorme. Je tente le second, et puis voilà. Donc, second, ok. Donc, ce qu'on va faire... Je vais revenir là. Merci beaucoup. Vous avez vu le pognon qu'on a eu? On était à 1980. En fait, ça va beaucoup plus vite de venir là. Ce que je vais faire, je vais quitter le jeu. J'espère que ça a sauvegardé ce que j'ai fait. 3692, on va voir. Ça a sauvegardé. Et j'ai eu une fiole. Ça a sauvegardé la fiole aussi. Alors, le seul truc relou, c'est qu'on recommence d'ici.
qui est un petit peu chiant. Ah non, vous me direz, mais Hopper, tu peux faire ça en off ? Non. C'est une épopée. C'est un let's play. Vous voyez 100% de ce que je fais. Il n'y a aucune coupe. Moi, c'est comme ça que je joue. Et c'est comme ça que je fais les vidéos. Je sais que ça intéresse une minorité. Hein. Aujourd'hui, on est à l'époque des vidéos qui durent peu de temps et qui ont des cuts partout. Et des vignettes bien comme il faut. Et des titres bien comme il faut. Chez moi, les titres, c'est part 1, part 2, part 3, part 4 et part 50. Et pas de le boss le plus extraordinaire du monde ou ce que vous voulez, j'en sais rien. Non, pas de ça chez les gros ours. On va run. Aïe. Ce qui est dingue, c'est que la frame d'invulnérabilité, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pour les dégâts, mais elle ne fonctionne pas pour les collisions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est très compliqué de réussir à passer en force, vous voyez. Parce qu'en fait, il n'y a pas de jauge d'invulnérabilité, enfin de temps d'invincibilité pour les collisions. Donc on ne peut pas vraiment transpercer les ennemis, c'est très compliqué. On se prend pas de dégâts, mais on se prend toujours les... toutes les collisions en fait, et ça c'est assez rare en fait. Dans la plupart des jeux de plateforme, quand t'as la frame d'invincibilité, les collisions tu te les prends plus non plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais là en fait du coup tu te fais gang bang par les ennemis, des fois c'est impressionnant. Alors... ah ouais, ça repop. Ah c'est abusé hein. Du coup on pourrait le tuer comme ça, mais bon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tant pis, je vais aller me renseigner pour trouver la technique, pour voir ce que j'ai pas compris. Mais on peut le tuer comme ça, c'est quand même fou. Hein. Je vais au moins aller ouvrir les deux du fond. Est-ce que ça va me dropper une fiole encore? Ah, j'ai quand même envie de voir si ça peut aller au-delà des trois. J'ai quand même envie de voir ça, putain. J'ai quand même envie de voir ça. Hein. Les éclairs. La question c'est est-ce que je prends autre chose? Les flèches non, les tornades non. Pour le pognon. Bon, si jamais j'ai besoin de pognon, écoute, on reviendra ici, hein, voilà. Et boomerang 8, c'est quand même déjà excellent, quoi. Mais bon, cela dit, le boomerang est tellement pété que... Allez, on va juste refaire un petit coup pour le boomerang. Et ensuite, on refait. J'espère que vous vous amusez bien aujourd'hui. Hein. Le boomerang, c'est le troisième, je crois. Ouais, c'était celui-là. Ouais. Voilà. Et là, on a 16 boomerangs. Ok. Retour à l'écran de titre. J'espère que ça a tout sauvegardé. Enfin, ça a l'air bon. Je vais juste le faire... En fait, c'est marrant parce que c'est encore plus rapide de faire ce que je fais là plutôt que de revenir complètement à gauche et refaire tout le bousin pour aller au marchand qui te vend les potions, les élixirs. C'est plus rapide de faire ce que je fais là, quand même. Et on gagne plus de pognon. Et tu as plus d'objets, après. Donc, en fait, tu n'as que des avantages à farmer comme un gros sagouin. Qui est un petit peu abusé quand même. Mais bon. Tiens. Tiens.
Tiens, tiens, tiens. Oh putain, ce passage. Magnifique, PGM, PGM. Ah mais c'est vrai qu'il faut passer en dessous. Ah je suis con, c'est vrai, je peux passer en dessous des plantes quand je suis avec la souris. J'avais oublié. Oh je suis con, mais je vous l'avais dit en plus. Je l'avais vu, je pouvais passer en dessous. Ah là là là, qui est con. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh putain. Faut aller par où là? Pour revenir, je crois que c'est par là, non? Il y a un tremplin, je crois. C'est par ici, me semble-t-il. Je crois que c'est au bout, là. J'espère que c'est par là. Mais laisse-moi! Ouais, c'est là. Oh, la catastrophe ambulante. Ok. Mais oui, je suis con, je passe en dessous. Ah, je suis con. Je suis con, décidément. Hein. On me refait pas. Hein. On me refera pas. Hein. Malgré tout, je reste assez impressionné par ce jeu. Hop. Alors. Trois fioles. Je vais juste prendre les éclairs. Je pense que les éclairs. Ouais, que les éclairs. Je prends que les éclairs. Le reste, je m'en fous. Je réfléchis, mais ouais. Et encore, même les éclairs. Franchement, c'est juste par gourmandise. Hein. Juste par gourmandise. Les boomerangs aussi? Non. Non, 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 faut quand même pas déconner. Ok. Donc, on est reparti. Retour à l'écran titre. Jouer Monsieur Bond. Et là, on va voir si on peut voir 4 fioles. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Je pense que le marchand doit être limité si jamais on atteint 3. Mais je pense pas que le jeu nous limite. Ce serait étonnant ça. Donc à mon avis, on n'est pas limité. Ça peut peut-être aller jusqu'à 9. On va voir. Comme ça on le saura, vous voyez. Parce qu'on apprend des choses chez le gros ours, bien sûr. Ça vous tracasse. Histoire. Moi aussi, ça me trompe. Putain! C'est marrant parce que des fois, on peut passer, mais des fois, non, ça veut passer. Si vous avez vu, hein? Des fois, la collision nous permet de passer, et des fois, non. C'est assez aléatoire, finalement. Putain. Je peux sauter. Il veut pas sauter. Je vais réussir à mourir avec mes conneries. Oh putain! Ok. Si on devait parier, moi je mets 10 contre 1 qu'on peut atteindre les 4 fioles et je dirais même les 9 fioles. Voilà. Voilà ce que je dirais. Je pense pas qu'on soit limité à 3. Dans ce cas de figure. Ah, je me suis fait avoir.
Ah, je pensais pas. Ah, je pensais tellement pas. Ah, je me suis fait avoir. Ah, mais on peut pas. Ah, d'accord. C'est vraiment 3, en fait. Ok, mais non, en fait, c'est dans tous les cas de figure, c'est 3. Ah, mais je me suis fait niquer. Ok. Et vous, chez vous, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi ou alors si vous, vous pensez qu'on serait limité à 3. Je pensais vraiment que dans ce cas de figure, on pouvait monter au moins jusqu'à 9. Ah ouais, bon, très bien. C'est vraiment 3 en fait. Ça veut dire que c'est 3 tout le temps. Ok, on peut vraiment pas. Dans ce jeu, tu peux vraiment pas dépasser les 3 élixirs. Très bien. Bon, du coup, vu qu'on est là, on va quand même tout prendre. Hein. Et puis on s'arrêtera là. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vais aller me renseigner. Voilà. Parce que là, vraiment. À moins de farmer sans éclair ou sans boule de feu. Est-ce que je veux dire? Merde, c'était le premier que j'avais pas pris. Sans éclair ou sans boule de feu pour réussir à le tuer comme ça. Parce que j'ai l'impression que je lui faisais un de dégâts à chaque fois. Que je lui faisais une attaque. D'accord, peut-être même pas un dégât, peut-être même moins que un de dégâts. Je suis même pas sûr que je lui faisais un de dégâts. C'était tellement ridicule. C'était peut-être 0,5, tu vois. Un demi-point de dégâts, quoi. Le truc vraiment tout moisi. Hein. Mais là, c'est, je ne vois pas comment le tuer. Je vois pas comment le tuer. C'est fou, hein. Je prendrais bien les boules de feu, mais tant pis. Est-ce que j'avais chopé les boomerangs? Non, je vais prendre les boomerangs. Est-ce que j'avais chopé les éclairs? Ouais, j'ai chopé les éclairs. Ouais, écoute, on va y aller comme ça. J'ai pas pris les boules de feu, mais on s'en fout. Putain, 6035 en pognon. Ça n'a plus aucun sens, hein. En fait, je me rends compte que du coup, si on veut revenir vite... Ah oui, je me rends compte que la meilleure technique, finalement, c'est de faire ça. Bah oui. Si tu veux vite revenir au village, bah tu fais ça. Hein. Bah oui. Et là, tu es direct. Plutôt que de te retorcher tout le machin en sens inverse, ce qu'on se faisait à chaque fois, quand même. Hein. Jusqu'à présent. En fait, là, ça va beaucoup plus vite comme ça. Écoutez, on va donc s'arrêter là. Je vais voir. Écoutez, je vais... Je vais aller voir ce boss, je vais essayer de trouver ce boss, quelqu'un qui a fait un let's play de ce jeu. C'est forcément trouvable. Voilà, et puis écoute, on reprendra là du coup, puis on verra bien ce qu'il en est. Hein. Petit peu d'aigle quand même. L'amour propre en prend un petit coup, c'est la tristesse. Allez, du coup, ben voilà, je vous dis rendez-vous à la prochaine partie et on verra bien comment on est censé tuer cette espèce de cochon samouraï des enfers. A plus.